Le Génopod accueille des spécialistes de génomique et de bioinformatique. Ces équipes de chercheurs sont souvent internationales. Alors, quand je suis arrivée, je suis venue des États-Unis. La chose qui m'a immédiatement frappée, c'est la beauté du campus de Dorigny en comparaison à ce que j'avais connu aux États-Unis. Et je dois dire que le campus où je travaillais aux États-Unis était d'une beauté fantastique aussi. Et ça m'a beaucoup attirée, non seulement pour moi-même, parce que je me suis dit que ce serait fantastique de travailler dans ce cadre, mais aussi parce que du point de vue scientifique, du point de vue de développer un centre de recherche, je me suis dit qu'il serait facile de convaincre des gens de venir travailler ici. Parce que, après tout, les chercheurs sont aussi des êtres humains, et donc ils sont absolument sensibles à un argument tel que le cadre de vie est absolument magnifique. Souvent, quand on a des étudiants qui vont dans des laboratoires à l'étranger et qui reviennent, c'est là qu'ils nous disent « Ah, mais c'est incroyable la chance qu'on a de pouvoir travailler dans les conditions que nous avons. » On a une infrastructure absolument exceptionnelle.